Salut, salut à tous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très très bien. Ça va? Voilà. Allez, venez, approchez. Tous ceux qui ont la possibilité de se mettre en live, venez. Venez en live. Voilà, il y a 5 personnes pour l'instant. Comment ça va? 17. Oula, ça monte. Bon. 32. Dès qu'on est à 100. Je vous explique comment les choses vont se passer désormais sur ma page. Pour l'instant, nous sommes 60, mais les choses vont drastiquement changer sur ma page. J'espère que vous allez tous très très bien. Le live vient juste de commencer. Voilà. Donc ça vient de commencer. À 100, dès qu'on est à 100 personnes, je vous explique les choses, comment elles vont se dérouler à partir d'aujourd'hui sur ma page. Voilà, donc encore 4 personnes. Ah là, ça descend. Ah là, il y a des gens qui sont au travail et qui ouvrent leur téléphone comme ça. Et puis ils se disent, bon, voilà, non. Hey, là, dès qu'on est à 100 personnes, je vous explique comment les choses vont avancer pour ma page Facebook et les projets que j'ai à vous proposer. Voilà. Donc là, encore une personne. Voilà. Hein? Ça descend à 98. C'est quoi ça? Hein? Vous pouvez pas monter à la barre des 100? C'est quoi là? Tu viens, tu t'enlèves, tu vas. Voilà, donc on est 102 personnes. Merci à tous d'avoir fait le déplacement hein, sur votre téléphone pour arriver jusqu'à moi dans votre dans le live. Je vais vous expliquer maintenant les choses, comment elles vont se passer. À partir d'aujourd'hui, ma page Facebook va devenir une chaîne télévision. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Ce qui veut dire que le matin, je vais me réveiller, il va y avoir. On va dire, allez, 2 vidéos sur l'actualité. L'après-midi, on va partir sur un live. Et le soir, nous allons partir sur un sujet du soir. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Ce qui veut dire, hein, que tous les jours, tout le temps, tu vas m'avoir. Là, il est important de vous raconter ce qui m'est arrivé durant ces 4 années. Ah oui, parce que là, ces 4 années qui se sont passées, ça a été. Oh là là! Ça a été chaud, hein? Pop, 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 pop. Parce que là, vous m'avez tous vu, hein? Faire des vidéos à gogo, de gauche à droite. Ouais, tous les jours, je faisais au moins 4, 5 vidéos. J'ai commencé les vidéos en 2015, si je ne m'abuse. J'ai commencé en 2015, hein? Je me suis lancé dans les vidéos. Et à la base de tout, hein? La base, hein? Écoute-moi bien, la base, hein? Si je me suis lancé, hein? Pour faire tout ça, hein? Tu sais, c'est pourquoi? C'est pour monter sur scène. En 2020, je commence à monter sur scène. De 2020 à 2024, je monte sur scène. Maintenant, j'ai mon spectacle. Ah là 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 là. Et là, moi, je tiens à vous dire hein, que là, on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Non, non, t'inquiète pas, on ne va pas parler de ça, on s'en fout. Là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que maintenant, le fou Jesse Soko, là, que tu avais l'habitude de voir tous les jours, partout, il est de retour. Parce que ça y est, maintenant que je suis marrant sur scène, parce qu'en fait, je vais t'expliquer. La stratégie que j'avais en tête, tu vois. Je me suis dit, en vrai, les gens, ils savent que je suis marrant, tu vois. On m'a vu sur les réseaux sociaux, on m'a vu dans telle ou telle situation, tout le monde sait que je suis marrant. Maintenant, il faut que j'arrive à monétiser ça et à faire de la scène. Donc pour moi, c'était le truc le plus plausible, tu vois. Sauf que moi, j'ai un respect absolument incroyable pour la scène. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, je me suis dit, tu peux pas monter sur scène. Et t'es pas marrant. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé, quand tu montes sur scène, il faut que les gens, ils rigolent, tellement ils rigolent, hein? Ils se disent, oh là, je vais mourir. Tu vois? Hein? Là, maintenant que j'ai atteint, tu vois, ce que j'arrive à faire là maintenant, j'arrive aussi à le faire sur scène. Maintenant, on va aller vendre Fuji Sisoko absolument partout. Partout, dans tous les pays où vous vous trouvez. Là, je veux voir tous les drapeaux. Envoyez-moi les drapeaux de votre pays et de votre origine. Donc là, on a le Congo. Voilà, on va aller au Congo. Donc là, je vais noter tous les pays des gens qui aiment Fodje Sissoko et qui aimeraient le voir. Donc là, pour l'instant, on a le Congo Kinshasa. On a Congo Kinshasa. La Côte d'Ivoire, CIV.
Voilà, attends, écoute bien. Alors, ce drapeau, je connais pas, faut me dire, hein, Réunion. Je sais, attends. Réunion. Oh là là. Les gens, ils sont jolis là-bas en Réunion. Ghana, ok. Non, mais là, je vais devenir milliardaire. Oh là là. Hé, si on... Oh, Cameroun. Si on fait tout ça là. Non, je vais avoir trop d'argent. Mais si on fait tout ça, moi, je vais changer le monde, hein. Donc Réunion, Gabon, voilà. Gabon. Non, non, là je vais. Quoi? Ça c'est. C'est l'Haïti? L'Haïti? Non mais RDC là. Ça va devenir une priorité, hein. Guinée. Bien sûr, le Mali, on n'en parle même pas. La Belgique. C'est la Belgique, ça? Île Maurice. Le Mali, t'as même pas besoin de mettre, hein. Île Maurice. Mauritanie. Mauritanie, il y a des théâtres là-bas? Hein? Mauritanie. Hein? Tu me dis de venir à Mauritanie pour faire quoi? Attention, hein. Hein? Il faut quand même qu'il y ait des trucs où on peut se retrouver. On va se retrouver où en Mauritanie? L'Espagne, mais non. Non mais toi tu mens, t'as mis plusieurs drapeaux là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu mets la France, après tu mets l'Espagne. Genre, il y a des gens en Espagne qui aimeraient. Viens voir Fuji. Bon bah vas-y, on met l'Espagne. Le Mali, ça sert à rien. La Suisse, le Mali, c'est déjà acté. La Suisse, je suis choqué. Non, mais là, il faut tout organiser. Connais Bénin, voilà. Guinée, j'ai déjà mis. Non, Hein. mais Guinée. Ah non, mais là. Soudan. C'est possible maintenant, là? De faire un spectacle au Soudan? Parce que là. Là! Non, mais soyez sérieux. Ça y est. Bon, c'est fini. Voilà, c'est. Chine! En Chine! T'es en Chine! C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Africains là-bas. Tu peux aller faire un truc, hein? Ouais, même en Russie, il y en a. Oh là là, mais non, mais là, hé. Là. Là, j'organise ça, hein? Janvier, Lamborghini. Oh là là! Non mais, tu te rends compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sénégal. Ouais, mais le Sénégal, je suis venu et j'ai dit venez au spectacle, vous n'êtes même pas venu. Hein? Mais bon, j'avoue que la situation, elle était un petit peu tendue à ce moment-là. Donc, c'est normal. Et puis, la promotion a été mal faite. Donc, voilà. La Côte d'Ivoire, c'est déjà marqué. La Côte d'Ivoire, c'est marqué. Le Mali, ça sert à rien. Le Mali, c'est. C'est dans mon sang. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Je suis obligé. c'est même par là que ça doit Commencer. Tu vois ce que je veux dire? Les Comores, bien sûr. À fond. J'ai mis île Maurice, j'ai mis Réunion, l'Haïti. Franchement, ça me choque. Mais ouais, grave chaud. Oh là là, et franchement, L'Haïti. si c'est possible de faire un truc Là-bas, avec grand, 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 mais grand plaisir, le cœur ouvert, mais de fou. Tu te rends même pas compte. Ce serait un truc de fou. Burkina Faso, fort, de fou. En plus, je connais des gens là-bas. Donc, Belek, je vais essayer d'organiser ça. essayer d'organiser un truc au Burkina. En tout cas, Guatemala, arrête de mentir. Genre, tu me suis au Guatemala, hein? Il y a des gens qui me suivent au Guatemala. Non, tu mens. tu mens. Bon, je l'écris quand même. Mais j'avoue là, après On va dans les forêts là. Ah là là! On trouve les plantes qu'il faut, hein? non, mais là, c'est n'importe quoi. Quoi? Attendez, là, il y a des pays, je suis pas trop d'accord. Hein.
attends, mais tu te fous de ma gueule là, celui qui a mis Guatemala? Genre, tu me suis au Guatemala? Mais t'es malade ou quoi? J'ai déjà mis le Sénégal. J'ai déjà mis. Voilà, donc là, j'ai mis Burkina, j'ai mis Ghana, j'ai mis Bénin. J'ai mis le Cameroun. Hein? J'ai mis la RDC, bien sûr. Burkina. J'ai mis tout ça. Donc, je tiens à vous dire que je suis en pleine organisation de ceci, de cela. Hein? Je suis en pleine organisation de ça. Et même vous, hein, je compte sur vous hein, pour aller faire la promotion de cette propagande. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Vos infrastructures, vous chez vous, là, allez les inonder. Tu comprends? Tu vas ramener Fodjé. Ramenez-le. Ramenez-le. C'est ça. Ah bon, au Tchad aussi? Bon, bah vas-y, on va noter le Tchad. Mais Guatemala, tu te fous de ma gueule ou pas? Ouais, j'en ai fait des vidéos. Hein. En tout cas, sachez que c'est pas fini. Je vais en faire Madagascar. Ouais, Madagascar, j'avais déjà en plus discuté avec quelqu'un qui devait me faire venir, mais ça s'est pas fait. L'île Maurice aussi, il y avait un truc qui devait se faire, mais ça s'est pas fait. En tout cas, moi, je suis chaud pour faire ça. Hein. Je vais me donner les moyens de le faire. Donc, merci déjà à vous tous d'avoir participé à ce live. Là, d'ailleurs, même, on peut continuer le live. Hein. On peut continuer. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, là, vas-y, en vrai, tu continues. Attends, mais... Ça, là. Tu continues le live, tranquillement. Et puis, vas-y, on va discuter. Parce que tu vois, là, je suis en train d'écrire des trucs, là. Je suis encore en train d'écrire des sujets, là, des sujets de société et tout. Comme ça, vous allez un petit peu voir c'est quel genre de live que je vais faire. Voilà. Donc là, je m'organise. Tac. Je vais mettre... Pour l'instant, l'installation, elle est sommaire. Tu vois? Pour l'instant, l'installation, elle est pourrie. Mais bon, avec le temps, ça va avancer. Voilà. Bon. Hier, j'étais au sport, là, j'ai mal partout. Laisse tomber. Bon, allez, vas-y. Tac. Note. Hop. Voilà, laboratoire. Bon, on continue le live. Bon, c'est terminé. J'ai noté les pays où vous voulez me voir. C'est bon, j'ai noté. C'est quoi ce drapeau-là? C'est quoi ça, là? C'est quel drapeau ça, Naoum Géralvi? Mauritanie, ouais, mais j'ai déjà mis une Mauritanie. Attention, ta page sera bloquée si tu ne coupes pas ton live dans 5 minutes. Ah là 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 là. Bref. Du coup, voilà, on est ensemble. Imagine le PSG gagne la Ligue des Champions cette année. Non, je préfère pas du tout. Imaginez ce genre de choses. Ah, Stéphane Longré, salut de Reims. D'ailleurs, je vais peut-être passer incessamment sous peu à Reims. Reste branché. Ouais, 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 il y a un petit comédie club là-bas qui fonctionne très très bien. Donc, je crois que je vais bientôt venir jouer là-bas, peut-être. Le Rwanda, ah si, partout, hein. Partout, partout. En tout cas, voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous dire... Bon, ben en vrai, ouais. Ah, mais si, la Guadeloupe, à fond. Mais d'ailleurs, il est où? Ah, attendez, attends. Parce que lui, attends, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Tu connais Willy Dombo? Du WAM. Ouais, je le connais. Attends. Attends, mais t'as dit un truc avant? Ouais, les exercices de sport, là, ils m'ont fracassé. Ouais, Guadeloupe. Laisse tomber. Guadeloupe, pareil, il y a un mec qui m'a appelé. Ouais, voilà, nanani, nanana. Boum, plus de nouvelles. Je pense qu'il a essayé d'organiser... L'Algérie, ouais, ouais, grave. À fond. À fond, à fond. Mais ouais, ouais, la Guadeloupe, en plus, expérience de fou. La première fois que j'avais été là-bas, c'était en... Je crois que c'était en 2000... C'était en 2020. C'était avant le Covid, là. Soit 2020, soit 2019. J'étais allé pour le festival là,
pour un festival et pour le truc de la de truc là. Tout à l'heure, t'as dit que c'est le 28, t'es tellement raté. Faut que j'y vienne en Guadeloupe. Ouais, j'essaierai de j'essaye d'organiser ça là. J'essaye d'organiser à Moscou. Ouais, à fond, hein. Eh, s'il y a des francophones en Russie, je viens direct. Je vous fais un petit sketch. Je viens. CS. Non, en Ukraine, je vais pas faire de. Non, t'es fou, quoi. Je vais aller en Ukraine, on va me dire, ouais, viens faire ton spectacle. Je vais arriver là-bas, on va me dire, tiens, je veux dire, c'est quoi ça? C'est ton uniforme pour aller sur scène. Je vais arriver et ils vont me dire, voilà, t'es prêt? Je vais dire, ouais. Ils vont me dire, allez, vas-y. Je vais dire, comment ça? Je vais dire, il est où le théâtre? Ils vont dire, ben, le théâtre, c'est là, le front. Hein? Voilà. Va, vas-y. Raconte tes blagues avec les armes. Je vais pas du tout faire du spectacle en Ukraine. Hein. Alors, ici, je tiens à vous dire, en Argentine, il y a... Non, tu... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas d'Argentin qui me suit. En Israël! Welcome, comes. Voilà, c'est passé. C'est toujours ça qu'il faut faire. Quand il y a un petit moment gênant, hein, tu te tais, tu laisses passer le vent froid, et puis... Voilà. Sénégal, j'ai déjà noté le Sénégal. Oh! C'est quoi ça? Bon, moi j'ai quelques sujets à discuter. Attention, ta place sera... Oh là là! Mais ça fait déjà 5 minutes. Bref, du coup, Canada, ouais, à fond. Canada, c'est noté. Alors là, hey, Canada, carrément, je tiens à dire, hein, Canada, c'est l'objectif final. L'objectif final. Enfin, quand je dis objectif final, c'est juste, vas-y, parce que là-bas, c'est là où tous les grands de l'humour... dans l'Occident ont commencé. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour ça. Hein. C'est juste pour dire, voilà, je suis monté dans la même scène que les autres et tout, nanana. Voilà. Ouais, Kwan Kan Kam, c'était un petit... T'es un petit malin, toi. Bref, en tout cas, là, on est là, on va discuter de certains sujets. Bon, j'ai deux sujets à vous proposer. J'ai deux sujets à vous proposer et puis vous allez voter. Hein. Attends, comment on fait, là? On peut faire des sondages et tout, là, non? C'est quoi ça? Politiser masse. Non. C'est quoi? Bon. Voilà, vous avez compris. Là, c'est mort. Bon, je peux pas faire les sondages. Bref, j'ai déjà écrit les pays là, c'est bon. Hein. Arrêtez d'écrire les pays. Maintenant, on va choisir deux sujets sur lesquels on va discuter ensemble. Et puis après, voilà, chacun. Ah ben, tiens. Florida, ouais, toi, te fous de moi. Genre, en Floride. Genre, je vais aller à Miami. Je vais dire, Faudier, il y a mon spectacle en Miami. Et les gens, ils vont venir. Tu me prends pour qui? Tu crois que je suis né hier ou quoi? Bref. Allemagne, Hambourg. Ouais, ouais, ça, j'ai reçu ton message. D'accord, en Allemagne aussi, il y a des... Hein? Ok. Allemagne. J'ai déjà écrit le Cameroun. J'ai déjà écrit le continent. Voilà, j'ai déjà écrit. Bon, voilà. On veut des steaks au soleil. Ok. Bon, bah, je vais mettre ça que c'est en vente. Hein, steaks au soleil à vendre. Bref, j'ai deux sujets à vous proposer. Le premier. L'incompréhension entre les hommes et les femmes. Ça, c'est le premier sujet. Le premier sujet, ça c'est ça. Le premier, hein, le premier sujet. Maintenant, le deuxième sujet. Attends. Le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est la musique de voyou. La musique de voyou. Et je tiens pas à faire de d'amalgame. Hein. Quand je dis la musique de voyou, c'est pour dire hein, qu'il y a de la musique de vrais voyous hein,
Et là, tu dis, ah non, celui qui chante là, lui, c'est un fou. C'est un voyou, c'est un malade. Tu vois? Et sinon, voilà, tu as ceux qui font de la bonne musique. Tu vois? Donc, on peut discuter de ces deux sujets, soit l'incompréhension des hommes et des femmes dans le monde, ou bien la musique de voyous. Tapez un ou deux pour les sujets. Si tu veux le sujet 1, tu tapes 1. Si tu veux le sujet 2, tu tapes 2. Voilà. C'est fini avec les drapeaux, hein. T'es arrivé en retard. Mais arrête de mentir. Comment ça, en Irlande, il y a des gens qui me connaissent? Qu'est-ce que je vais aller faire en Irlande? Hein? Je veux dire, venez à mon spectacle. Tu vas venir tout seul. T'es pas sérieux. Fais une vidéo au moins avec 40 Irlandais qui disent Fojé, viens! Après, on verra. Donc, tout le monde veut parler de l'incompréhension des hommes et des femmes. Ah, il y a Hugues Farah qui, lui, Hugues, bon, là pour l'instant, c'est le sujet numéro un qui l'emporte. Hein. Tout le monde veut savoir. Tout le monde veut parler de l'incompréhension des femmes et des hommes. Ou sinon, il y a La musique de voyous. Tape 1 pour l'incompréhension des hommes et des femmes et 2 pour la musique de voyous. Tu préfères le premier sujet. Ok, bon, bah, c'est parti pour le premier sujet. Hein. C'est parti pour le premier sujet. L'incompréhension des hommes et des femmes. C'est quand même. Je sais pas, hein, c'est bon, on a compris, c'est bon, on a choisi. Là, maintenant, on entre dans la discussion carrément. Alors, il y a des. C'est possible de faire? Alors attendez, hein, je fais quelques petites. Hop. Voilà, il faut pas oublier les. Faut pas oublier quand même, hein, ça reste professionnel, tu vois? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai juste mis un lien pour que vous puissiez vous abonner, que je puisse gagner de l'argent et puis mettre tous mes projets en place. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, comme à une chaîne, abonnez-vous. Moi, ma page Facebook est moins chère que toutes les autres pages que vous pouvez trouver, hein, n'importe où. Et en plus, là, dans cette page, vous savez où va l'argent. Oui, il va dans ma poche. Donc, abonnez-vous, hein, directement à mon compte. Et donnez-moi tout votre argent. Bref, là on commence le premier sujet, l'incompréhension des hommes et des femmes. Moi, ce que je trouve bizarre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec Balou pour que tu sois partie du groupe? Je trouvais que le groupe allait bien avec Emma et Emma l'ours. Mais non, mais tout va bien. Tout va bien. D'ailleurs, je souhaite de la réussite dans le projet de toutes ces personnes qui ont contribué au fait que je sois là devant vous. Un grand bisou à Balou, un grand bisou à Emma l'ours, un grand bisou à tout le monde, à vous tous. Je vous embrasse tous. Bon, on peut commencer le premier sujet, s'il vous plaît? Hein? Voilà, on peut commencer le premier sujet. Donc, l'incompréhension des hommes et des femmes. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Comment, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes vivent ensemble et n'arrivent toujours pas à se comprendre. Ce qui veut dire que Dieu, il a créé l'homme. Hein? Voilà, il a créé l'homme. L'homme, il était là. Après, il a dit, je m'ennuie. Hein? On lui a créé une femme.
à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, hein, on n'arrive toujours pas à se comprendre. Tu te rends compte? Ça, c'est pas un truc de fou, ça? Dès que là... Tu sais qu'il y a des exemples frappants, hein, qui disent que même Dieu n'arrive pas à comprendre la femme. Je te jure. Hein. Ah oui. Regarde. Si on prend les écrits, tu vois, si tu prends les écrits à l'ancienne, à Skip avant, là, Abraham, il s'est fait réveiller dans la nuit. On lui a dit, vas-y, tu vas aller sacrifier ton enfant. Et puis voilà. Abraham, il s'est levé, il a pris son enfant, il est parti, il a coupé la tête de son enfant, il s'est transformé en chèvre. Moi, la question que j'ai à poser, pourquoi Dieu n'a pas réveillé madame? Parce qu'il sait. Il sait ce qui... Non, non, il sait ce qui allait se passer. Tu penses vraiment que tu peux dire à une femme, bon, allez, tiens, lève-toi, hein, pour l'amour de Dieu, va couper la tête de ton enfant? Mais jamais de la vie. Elle va commencer à poser des questions. Non, mais pourquoi? Pourquoi si? C'est pour ça. Tu vois, même Dieu, il est au courant. Il sait ce qu'il a créé. Mais oui! C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Personne ne peut comprendre la femme. Je vais même te dire un truc de fou. Hein. Même la femme n'arrive pas à se comprendre. Tu demandes à une femme, c'est quoi une femme? Personne ne sait ce que c'est. Nous les hommes, on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous, on fait comme vous voulez. Mais elles-mêmes, elles ne savent pas. Oh là 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 là. Franchement, nous les hommes, demandons à comprendre les femmes. Nous demandons à vous comprendre. C'est ce que nous demandons tous les jours. À vous comprendre, à vous aider, à vous élever vers le haut. Hein? C'est ça notre objectif. Mais on ne comprend pas. La dernière fois, hein, je te jure, je traîne sur les réseaux. Je tombe sur une femme qui dit qu'elle, maintenant, on peut plus lui demander quoi que ce soit. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle arrive à gagner son argent toute seule et que maintenant c'est à elle de choisir ce qui se passe à gauche et à droite. Il est où le problème avec ça? Il n'y a aucun souci. Qui vous a demandé, hein, de dépendre des hommes? Qui vous a demandé d'être belle pour un homme? C'est entre vous, hein? Jamais un homme va dire « Oh là là, mais tu te maquilles pas, tu mets pas de rouge à lèvres. Ben alors ?» Jamais! Nous, on vous a rien demandé de tout ça. Tu penses que nous, on est intéressés par les soutiens-gorge, par les trucs et tout ça? On s'en fout. Nous, on veut juste t'enlever. Tu comprends? C'est ça qui nous intéresse. Donc, tous vos trucs de « Ouais, oh là là !» D'accord, on vous suit. On dit, bon, bah, vas-y, si ça te fait plaisir, d'accord. Mais moi, tous les jours, je dis à ma chérie, mais ma chérie, tu n'as pas besoin de te maquiller, tu es magnifique comme ça. Elle me dit, non, il faut qu'elle se maquille. Donc moi, qui suis avec elle, lui dire qu'elle est magnifique et qu'elle est belle, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on vit dans un monde, hein, où tout le monde, hein? Oh là là, tout le monde, personne n'arrive à comprendre. Personne. On n'arrive pas, on ne peut pas comprendre. Tu peux pas, tu peux pas comprendre. Hein? Tu n'arrives pas à comprendre. On n'arrive pas. Tout le monde essaie de comprendre. Hein? Mais ce n'est pas possible. Ce que j'ai à vous dire, mesdames et messieurs, c'est qu'en tout cas, on est ensemble. J'en ai fini pour ce premier sujet qui, je pense, va faire parler un petit peu. En tout cas, comme je vous le dis, hein, merci. Non, non, je ne suis pas du tout énervé. Non, non, pas du tout énervé. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, pour ceux qui ont une vie, hein, mais qui viennent d'arriver,
Je vous explique ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais suivi dans le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu vois, moi, je suis là, en train de faire mes vidéos. Des fois, je suis sur mon canapé. Des fois, je suis sur scène. Mais je me rends pas compte qu'au final, je peux faire une tournée internationale. Une tournée, tu vois, dans toute la francophonie. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de noter tous les pays qui me suivaient. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que le live a commencé, pour ceux qui viennent d'arriver. Et là, on en est arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pays. 22 pays. Hein? Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que si je fais ne serait-ce la moitié d'une tournée, dans 6 mois, voilà. Et oh, je parle même pas. En tout cas, il y a la possibilité de faire des grandes choses. Hein. Les choses sont en face. Hein. Donc, et ce que j'ai dit aussi, c'est que maintenant, ma page Facebook, elle allait changer. Que maintenant, aujourd'hui, il allait avoir, à partir d'aujourd'hui, il allait avoir maintenant 2 vidéos d'actualité le matin. Hein, voilà, donc ma page va se professionnaliser un petit peu, donc deux vidéos le matin. Et si je n'ai rien à faire l'après-midi, je vais faire un live pour ceux qui ne travaillent pas. Hein, voilà, ceux qui travaillent pas. Et le soir, peut-être tard la nuit, hein, la nuit un peu plus tard. On ira sur des sujets que vous aimez entendre tard la nuit. Tu comprends ce que je veux t'expliquer? Tu vois? Tu vois quel genre de sujet? Les sujets que toi, auxquels tu n'arrêtes pas de penser. Tous les jours. Tout le temps. C'est pas normal. En tout cas, ce live se termine. J'ai beaucoup apprécié. Hein? J'ai beaucoup apprécié. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que je viens de poster tout à l'heure où je vous parle justement de ce projet. Et comme je le dis, toute aide est la bienvenue. Voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui ont la possibilité de mettre cette tournée en place, j'accepte toute aide. En tout cas, on est ensemble. Force à vous. Gros bisous.